Salut les gars, allez, bienvenue sur la chaîne. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un petit live. Je suis à Saint-Jean-Pied-de-Port actuellement. Voilà, dans un petit parc très sympa. C'est vachement sympa, c'est beau, c'est joli. Je suis venu me visiter ça. Excusez-moi, monsieur, voilà. Vous savez pas où il y a un taxi pour finir mon GR65, s'il vous plaît? Ah, pour entrer. Ah, ça va, Fifi? Ça va? Ça va. Bonjour, voilà. À tous. Voilà, je suis avec Fifi le randonneur, vous l'aurez reconnu, enfin reconnu ou pas reconnu, il a tellement maigri qu'on le reconnaît à peine. Oh, ouais, 10 kilos en moins, t'as vu? Ouais. Et ça puis voilà. Ah ouais. Je m'envole maintenant. Avec un sac ultra léger, tu vois, je vole. Je l'ai croisé sur le bord de la route, en réalité, il courait. Ouais, je faisais du stop en vérité. Donc il m'a pris. Voilà. Donc on tenait à vous faire un petit live. On s'est rencontrés, on avait pris rendez-vous entre guillemets tous les deux. Ouais. On a bien mangé ce midi. On a bien mangé, il va récupérer ses calories. Mais 10 kilos. Exactement. Alors dis-nous, qu'est-ce que tu as fait finalement? Au final, j'ai fait en 28 jours 750 km le GR65. J'ai pu le terminer hier. Je suis parti le 19 juillet et je suis arrivé hier, donc très content de moi. Ouais. Ouais, c'était... J'ai une belle histoire, de belles rencontres. Et puis là encore une nouvelle rencontre à la fin. C'est voilà. Génial. Donc écoutez, on passe un bon moment. Lui, il a en tout cas un bel exploit, c'est plus de 700 bornes quand même. Avec une belle vitesse de croisière, du beau matériel, des belles images. Du Zipax qui a tenu. Et puis évidemment, vous. Il y a quand même un petit retour à faire hein, dessus. Ah ouais, bon, ouais. Il va nous en parler mieux que ça. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? On a parlé matos, hein, matériel, un peu sexe. Parce qu'après 700 km en autonomie, après 28 jours. Voilà, et donc, d'ailleurs, on va faire une revue sur les différentes qualités de sopalin, papier essuie-tout. Voilà, bref, non, mais c'est un bon moment qu'on passe ensemble. On va aller retourner boire une petite bière parce que j'ai soif, on n'a pas arrêté de parler. Et puis, on va sans doute se revoir pour faire des belles. Tu sais qu'on fait deux pervers hein, comme ça, ouais. Avec dans un parc. Ah ouais. Les deux sans enfants. Sans enfants derrière. Bah, alors, ce que vous ne voyez pas, c'est qu'on s'est tenu la main tout l'après-midi. Et puis voilà, donc on passe un bon moment, on a parlé évidemment matériel, vous doutez bien, nouveautés, tests, essais, vie privée, voilà, ça permet de se rencontrer, de se connaître. Et puis c'est vrai qu'on ne le reconnaît pas le Fifil, hein, disons. Et de futurs rando. Et de futurs rando, futurs éventuellement projets, ouais. En commun. Et donc j'espère quand vous verrez cette vidéo, n'hésitez pas donc à la liker, à nous mettre un petit commentaire, ça fait plaisir, hein, on va la suivre. Et puis il va nous faire évidemment à suivre des beaux retours sur son périple. Sur son grand périple, hein, parce que là c'est digne d'un Tour de France en vélo, hein. 700 bornes quand même, faut le dire, c'est quand même pas rien. Hein. Certains font pas 700 bornes. Sérieusement. Non mais c'est vrai, tu peux. Hein. Ouais. Et puis regardez la transformation physique, hein, donc là, voilà. On ne dira plus que je suis gros, que j'ai des kilos à perdre. Ah ouais, non là franchement bravo, chapeau. Et puis bonne mine. Allez, on vous embrasse, c'était pour faire un petit live sympa. Ciao. Très vite sur la chaîne. Salut les amis. Bye. Merci, bye.